Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette revue où je vous présente enfin la lumière. Oui, la lumière, la sainte lumière que j'ai reçue au bout de plusieurs semaines. Ça a été très très long comparé à Peggy My Halls 77, je crois, qui avait fait une revue et c'est là où j'ai vu la première fois en fait ces lumières et je me suis dit, ben ouais, ça serait beaucoup plus. Enfin, ça serait pas mal, pas beaucoup, enfin ça serait pas mal, dans le sens où ça prend pas spécialement place, il n'y a pas des parapluies, faut pas tout ranger, on laisse dessus au niveau de la caméra, voilà. Et elle, ça arrivait à peine 48 heures, et moi, depuis fin novembre, le 29, et je les ai reçus il y a une semaine, donc voilà, ça a mis quand même pas mal de temps, je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc j'ai commandé ces lumières sur le site Loving Pix. Voilà, je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos. Cette lumière est à 79,95 €. Je vous la montre tout de suite en image parce que je ne peux pas défaire la caméra et elle est juste derrière. Là, elle n'est pas allumée, mais je vais vous montrer ce que ça fait allumer. Donc, je vous montre tout de suite en image. Je vous ai pris plusieurs photos et ensuite, je défrai la caméra et je vous montrerai un peu la technique où j'ai un peu galéré. Vous vous inscrivez, vous faites votre compte et ensuite ben, vous commandez votre article. La seule chose que j'ai reproché, ça a été vraiment long. Enfin voilà. Ensuite, 79,95 €, j'ai pas trouvé le prix vraiment cher et c'est ce que Peggy disait. Elle disait vraiment que c'était un bon produit. C'est pour ça que je lui ai fait entièrement confiance et je me suis lancée et je le regrette pas. Donc je vais l'allumer. Donc en fait, elle se branche sur votre trépied et vous allez voir. Hop, j'ai juste appuyé un bouton. Vous voyez la différence, la clarté. Donc moi, je l'ai prise. Pourquoi? C'est parce que le matin, dans mon appartement, je ne peux pas filmer de vidéo. Ou le soir, donc ça me laisse un petit créneau. Et quand je travaille, c'est vraiment pénible. Il faut que je m'organise. Je ne peux pas tourner une vidéo comme je veux, quoi. Donc voilà. Et on voit la différence. Donc là, je parais peut-être un peu jaune. Mais en tout cas, je peux faire des tutoriels. Et présenter une revue ou autre avec lumière qui ne prend pas de place du tout. La seule petite chose, c'est que pour celles qui ont les yeux sensibles, le rond, donc il est juste autour, ça peut quand même vous éblouir un peu. Ça pourrait être peut-être le défaut que je peux lui dire en fait, hein, ouais. Et quand j'ai vu certaines vidéos des américaines, donc il y en a beaucoup qui ont ça, et il y en a beaucoup qui le mettent exactement comme moi ou Peg l'a mis, hein, parce que bah, j'ai fait exactement comme elle, hein, je l'ai mis comme elle. Et voilà, donc je vais vous montrer tout de suite, donc je vais l'éteindre, hop, et je vais vous montrer tout de suite comment ça se présente. Je vais vite recharger la batterie de mon caméscope, parce que lui c'est pareil, hein, la batterie, je crois qu'il va falloir que je réinvestisse aussi, hein, ça reste moins. Alors voilà, donc je vais le défaire du support pour vous montrer. Hop, je soulève, je tourne, c'est parti. Voilà comment ça se présente. Donc je vais le mettre plus ici, hop. Voilà, donc c'est un rond, un anneau lumineux, où là, j'avais mon caméscope de visser dessus, de poser, à la place qu'il soit vissé ici. Voilà. Donc ça a été tout un truc. Donc en fait, l'anneau vient seul d'un côté. Ce truc-là, vous l'avez aussi tout seul. Donc il est déjà monté, il faut juste comprendre en fait le système. Donc là je vais essayer de ne pas faire de bêtises que j'ai qu'une main. Donc là on ouvre et on sort. Voilà, vous voyez. Hop, j'arrive. Donc voilà, en fait il a fallu, c'est à cet endroit là, ici, que je visse mon support pour pouvoir mettre ce truc là.
Donc c'est tout simple. Ensuite, vous le remettez dans le support. Excusez-moi, je suis en train de faire et puis je regarde pas ce que je fais. Voilà, d'une main, vous voyez, j'y arrive. Vous le remettez, oh pardon, je ne vous ai même pas montré, vous le remettez dans le support, vous clipsez. Voilà, il y a le cordon là pour le brancher. Et vous avez juste derrière, ici, derrière le bouton marche-arrêt. Donc voilà, je vous reprends tout de suite.